Donc là, je suis en train de m'installer pour une petite nuit furtive là, sur un petit canal à côté de chez moi. Donc j'ai amorcé pendant 2 jours. On va voir un petit peu, s'il y a quelques poissons qui passent et si j'ai réussi à bloquer quelques poissons sur le passage. Donc juste une petite nuit équipée très léger, 2 cannes seulement pour essayer de prendre un poisson et faire un petit hold-up. C'est parti. Donc là, ce qui est super intéressant parfois, c'est que je ne sais pas si vous voyez un petit peu le bazar que ça met sur le fond. Et là, ce qui est intéressant, c'est souvent de jeter juste derrière les péniches. Parce que quand on jette juste derrière les péniches, souvent les poissons viennent s'alimenter de tout ce qui tombe, tout ce qui est retourné par le fond. Là, on voit bien, c'est tout est marron, hein, tout l'eau est toute marron. Donc je vais replacer une ligne là tout de suite. Voilà, en plein dans le chenal là. En plein dans les remous. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois hein, d'avoir des runs comme ça juste après une péniche en pleine journée. Alors ici la particularité de ce canal c'est qu'il est extrêmement petit. Il fait à peu près 10 mètres de large. Donc là on est dans un élargissement mais sinon ça fait vraiment 10 mètres de large. Et la particularité c'est que quand on pêche la journée, il est quasiment impossible d'ailleurs de pêcher la journée sur le bief dans sa largeur normale parce que même avec des backleads ou alors des backleads extrêmement lourds, quand les péniches passent, elles remuent tout, elles remontent les bannières et elles cassent toutes les lignes. Donc c'est très très dur de pêcher en journée sur ce canal. Généralement quand je viens y pêcher, j'y pêche à peu près de 19h, 19h30, c'est la dernière péniche qui passe et je remballe à 6h30 du matin pour aller au travail. Donc là on est en week-end, donc on est samedi aujourd'hui, demain il n'y a quasiment pas de navigation sur le canal, jamais, même pas à part 1 ou 2 bateaux de plaisance quand il fait très beau. Mais là on voit encore 1 ou 2 péniches aujourd'hui, donc ça va être vraiment très compliqué. Là on voit vraiment ce qu'a provoqué un peu le passage de ce bateau, c'est complètement marron, c'est incroyable. Et tout ça, ça remonte les amorçages, ça remonte un petit peu... Tout ce qui est au fond et ça donne à manger aux poissons. Ce qui est sûr, c'est que le meilleur moment pour pêcher ce plan d'eau, enfin ce canal, c'est vraiment la nuit. Quand tout devient vraiment très calme et que là, les poissons ne peuvent plus se nourrir derrière les péniches, mais qu'ils cherchent vraiment la nourriture. Et c'est ce qu'on va essayer de voir cette nuit, j'espère. Ouais, donc j'étais en train de regarder un petit match de foot sur l'iPad là. Et puis j'avais éteint les détecteurs parce que j'avais beaucoup de touches de brème depuis tout à l'heure. Donc je me suis dit je vais attendre le coup du soir pour pêcher à la bille pure et éviter un peu tout ça. Et puis un petit crissement de frein à l'ancienne, c'est ça qui est bon, plus de détecteur. Ouais, c'est un tout petit poisson hein, mais c'est voilà, je sais qu'en venant ici je vais pas. C'est pas ici que je vais faire un gros poisson. Une petite commune classique comme on les voit souvent ici, en banse baladée au soleil. Voilà, un petit poisson de 4-5 kg. On va essayer de la mettre au sec. Donc là j'utilise un très très grand manche d'épuisette, c'est ce qui me sert à Paris, sur les quais. C'est pas évident.
Yes, le contrôle de l'épuisette par le pied, ça c'est impressionnant. Voilà, toute petite commune, une fusée, je sais pas combien fait, 70 cm pour 4-5 kilos. Vraiment un joli poisson avec un joli combat, bah, c'est le genre de poisson qu'on trouve dans ce petit canal. Il y en a quelques-unes des plus grosses, hein. Je pense même qu'il y a une ou deux jolis miroirs à prendre. Bon, avec un peu de chance, peut-être qu'on en prendra une. Mais voilà, je suis bien content parce que c'est très rare de prendre un poisson de jour sur ce canal. Et là, ça fait à peu près 2 heures qu'on n'a pas vu un bateau, donc je pense que le calme a dû faire du bien. Donc les touches de brème se sont arrêtées d'un coup. Et puis, tout d'un coup, un départ de carpe. Et voilà, un joli poisson pour commencer. Voilà comment on clôture un petit hold-up, une session de à peine 15h, 12h. Deux petits poissons, c'est pas des gros poissons, mais je le savais très bien en venant ici. C'est des petits poissons de ce canal. Ouais, y a bien un ou deux beaux poissons qui traînent, mais je les ai jamais pris, j'ai jamais eu cette chance. Donc là, j'avais amorcé 2 jours avec des froliques et des bouillettes, des high impact, des fish cream. C'est la référence du début de saison. Et puis bah, ça m'a permis aussi de tester sur ce genre d'eau les nouveaux hameçons, les cranks. J'aime beaucoup la forme et je pense que ça va prendre pas mal de poissons cette année. Un montage tout simple, un clip plomb, un badling en semi-stiff, une trappe semi-stiff, un crank et puis voilà, une petite pushing queen.